Au nom de la jeunesse katangaise, nous tenons à féliciter tous les élus gouverneurs de nos quatre provinces ici du démembrement de l'ex-province du Katanga. Je tiens à féliciter Son Excellence Fifi Masuka Saini, élu gouverneur pour la province du Lualaba. De même que je félicite Son Excellence Jacques Kiabula Katwe, élu gouverneur pour la province du Katanga, sans oublier l'Excellence Mbazamoulume Marmon, qui est élu gouverneur de la province d'Yolomami. Enfin, l'Excellence Kitungwa Muteba Christian, qui est l'élu de la province de Tanganyika. Nous les souhaitons un fructueux mandat et plein de succès et de réussites durant leur exercice. Ici, nous tenons aussi à appeler toute la jeunesse katangaise que je représente de s'allier aux exécutifs provinciaux pour le développement de nos provinces. Fini les temps passés dans les réseaux sociaux pour soutenir X, Y. Désormais, nous avons nos représentants connus officiellement. Nous devons maintenant aller avec des propositions concrètes pour le développement de nos provinces. Je lance aussi un appel à tous les élus provinciaux. Je les remercie aussi et je les félicite pour les choix accordés à nos représentants. Et je vous demande de les accompagner durant leur mandat. Cette fois-ci, nous devons mettre fin à nos habitudes d'émotion à tout moment pour déstabiliser les institutions au niveau des provinces. Je vous appelle à les accompagner, à leur donner la chance pour qu'ils puissent développer nos provinces. Je réitère encore mes félicitations à tous les sénateurs de l'espace katangé qui ont été élus. Vous représentez les provinces, j'ose croire que vous allez bien mener votre mission. Soyez les vrais défenseurs de nos provinces et nous comptons beaucoup sur vous. Je tiens à appeler encore tous les notables katangais à l'unité. Nous avons besoin de l'unité pour le développement de nos entités. Ici, nous ne sommes pas pendant la campagne où nous devons soutenir ces Grecs, mais ici, nous tous, désormais, nous avons nos dirigeants. Ce sont des gouverneurs de l'opposition, ce sont les gouverneurs de la majorité, ce sont les gouverneurs de la société civile. Donc, ils représentent nos entités, nous devons les accompagner. Chers gouverneurs, vous avez une lourde responsabilité. La jeunesse katangaise que je dirige sera à côté de vous pour l'émergence de nos provinces. Et de même que nous serons à côté de vous, nous serons là aussi pour exercer une pression. Là où vous n'avez pas bien fait, nous serons derrière vous. Ce que nous voulons est que vous puissiez bien exercer vos mandats. Enfin, que nous puissions avoir un Katanga uni, un Katanga béni, un Katanga prospère. Voilà les messages de la jeunesse katangaise. Merci.